Et nous sommes donc ici avec la, nous accompagnons la deuxième année de la section écriture multimédia de la Haute École Condorcet. Il s'agit d'un bachelier donc, qui se donne en 3 ans et qui permet d'aborder à la fois les aspects techniques et les aspects plus méthodologiques du multimédia. On fait de la rédaction web, de l'infographie, du web design, aussi de la photo, donc c'est toutes sortes de différents domaines, du montage vidéo, on voit un peu de psychologie, voilà, du référencement. En gros, le multimédia ici à Condorcet, en fait, on fait de l'infographie, on fait du montage vidéo, du montage son. On est aussi formé pour le web design. En fait, c'est un truc un peu pluridisciplinaire. On touche un peu à tout. Les étudiants sont en formation de reportage photo et vidéo. Donc, ils apprennent la manipulation d'un appareil photo, d'une caméra, au travers de petits exercices pratiques. Et ils apprennent également l'utilisation de divers logiciels de montage, de Photoshop et Illustrator. En fait, j'ai toujours été passionné par les ordinateurs et tout ce qui y touche. Donc, de fil en aiguille, j'en suis venu à me renseigner pour les options, les cours universitaires qui touchaient à ça. Et sur Internet, en fait, je suis tombé sur le descriptif de la section multimédia. Les débouchés sont aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans le secteur privé, bien évidemment, c'est tout ce qui consiste à la réalisation de sites Internet, travailler dans des boîtes audiovisuelles. Dans le secteur public, c'est très large aussi. On sait que toutes les structures régionales ou nationales ont des cellules communication spécifiques à Internet, spécifiques au web, spécifiques à l'audiovisuel, et les débouchés sont larges à ce niveau-là. En fait, j'aimerais bien me lancer dans le web design, mais maintenant, on n'a pas encore fait le tour des multimédias, donc je ne sais pas encore exactement quoi. Donc là, la Haute École Condorcet sera présente, ainsi que notre section où nous aurons un stand bien spécifique. Les étudiants y réaliseront des petites capsules vidéo, ainsi qu'une couverture sur les réseaux sociaux. Yeah, yeah, yeah.